Morgen, allez, Idan, et tu seras aujourd'hui le Nishma d'avant mon Rémi, Nisraq, Zafini, David, Ben, Fortuna, Mazal, Fritna, Dvora, Bat, Esther, et Rachel, Rachel, Bat, Sarah, si vous souhaitez vous aider une prochaine vidéo de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions, Mesrat, Ktuvot, Perik, Hei, Mishnah, Zain, Amoredet, Al-Ba'ala, Pochatin, La, Miktubata, Shiva, Denarin, Beshabbat, Rabbi Yehuda Omer, Shiva, Tarpe, Ekin, Admatai, ou Pochet, Ad, Keneged, Ktubata, Rabbi Yossi Omer, Le, Olam, ou Pochet, Veolech, שמטיפול לירושה ממקום אחר, גובה אמנה. וכן המורד על אשתו, מוסיפים לה על כתובתה, שלושה דינרים בשבת, רבי יהודה אומר, שלושה תרפי עיקין. En rapport avec le devoir d'entretenir un rapport conjugal, des relations avec sa femme, alors là, la Mishnah elle va maintenant nous apprendre qu'est-ce qu'on fait quand il y en a un des deux qui en a marre de l'autre et qui ne veut plus entretenir une vie normale de couple. Qu'est-ce qu'on fait? Amoredet, alors on commence, on va avoir premièrement passé la mission qui va parler d'une femme qui ne veut plus vivre à proximité avec son mari. Après on va parler de la suite de la fin de la mission, ça va être plutôt lorsque le mari ne veut plus avoir de rapport avec sa femme. Comment est-ce qu'on fait? Ce qu'on a, le facteur sur lequel on va jouer, c'est l'aktouba. Le mari, il doit de la femme à la femme quand elle divorce. Elle, quand il la divorce, si c'est la faute du mari, il doit lui donner là. Il doit lui donner tout bas. Si maintenant c'est elle qui s'amuse à ne plus s'intéresser à lui, à vivre sa vie, elle ne le laisse plus l'approcher, alors dans ce cas-là, on va lui dire, écoute, chaque semaine, on va lui diminuer un petit peu de sa tout bas, jusqu'à quelque part, il ne va plus rien lui rester. Et le mari, il va la libérer avec un guet, sans rien lui donner. Et alors sur ça, il y a une requête. Et inversement, lorsque c'est le mari aussi, on va lui dire, écoute, tu t'imposes à donner tant à ta femme. Sache que si tu traînes, ça fait une semaine maintenant que tu ne veux plus revivre chez toi, on rajoute tant, et après une deuxième semaine, on va rajouter tant et tant et tant et tant, et comme ça, on va lui faire grossir un peu à la femme. Ok? Ça, c'est la donnée générale. Alors, on va voir ça dans les détails. Amoredet al-Ba'ala, celle qui est Moredet, qui se rebelle contre son mari, elle ne veut plus le laisser l'approcher. Pour Khatin la Miktubata, Shiva Dinarin Beshabbat, on va lui supprimer de sa Ktuba 7 dinars par semaine. Pourquoi 7 dinars? J'en sais rien. En tout cas, 7 dinars, dites-vous qu'elle lui doit 200 zouz, il lui doit 200 dinars. On a dit que c'est l'équivalent du SMIG à peu près pour une année, pour vivre comme ça correctement, quoi, proprement. Alors, donc ben, ça c'est 200 zouz, mais on va lui supprimer 7 par semaine. Ça fait une semaine que tu traînes à revenir à ton mari, 7 de moins, et 7 de moins, et 7 de moins, jusqu'à qu'à la fin, on va lui réduire complètement la ktouba. Rabbi Yehuda Omer, Shiv'a Tarpe Ikin. Rabbi Yehuda, il pense, non, pas 7 dinars, mais 7 tarpéik. Alors tarpéik, comme ils nous disent tous, en fait, c'est l'équivalent de un demi dinar. D'accord? C'est plus, c'est pas rapporté ici, c'était dans le, je sais plus, bon, il y a Tifat Israël, il le dit, c'est sûr, quoi. Chatsi dinar. Ok? Donc ça va être deux fois moins vite, selon Rabbi Yehuda. Ça laisse plus de temps. Admatai ou pochet, jusqu'à quand il va lui diminuer sa ktouba, puisqu'elle lui doit 212? Alors la Mishnah nous dit « Ad keneg ktubata » jusqu'à l'équivalence de tout sa, toute sa ktuba qu'il doit lui donner, soit 212, ou parfois même s'il lui a rajouté une tosefet ktuba, ouais, il lui a dit que je vais te donner à toi 1200 en plus des 200, alors ça lui, on va lui supprimer, jusqu'à qu'il arrive à zéro, après il lui dit « Allez, je te donne le get gratuitement, et puis tant pis, on s'arrête là. » D'accord? Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. De Tanakama plutôt. De Rabbi Yehuda. Non, de Tanakama. C'est pas Rabbi Yehuda, c'est sur la marquette précédente. Donc, maintenant, malgré tout, il faut bien préciser un truc. C'est que lorsque le mari s'est marié avec la femme, elle fait entrer aussi une dot. Et le mari, elle lui dit, écoute, moi je vais te donner 1200, et en plus de ça, quand tu divorces, je te rends aussi tout tes biens. Alors il va lui diminuer de ce qu'il s'est engagé à lui donner, mais il ne va pas lui diminuer de ses biens. Ça, c'est la vie de Tanakama. Tandis que Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit non, l'Eolam opochet veoler, il pourra continuer à diminuer et à diminuer. Shematipol la Yerusha mimakom acher, gove emena. Car peut-être que finalement elle va obtenir ensuite un héritage, il va lui récupérer, vous imaginez selon. Donc selon Rabbi Yossi, quand il a diminué, il a commencé avec les 200, 7 par semaine, 7, il est arrivé à 0. Selon Rabbi Yossi, il nous dit bah, tu continues à comptabiliser combien les morées d'être. Chaque semaine qu'elle traîne, tu prends 7 de plus. Peut-être que finalement, elle va avoir un arrière-grand-père qui va décéder, qu'elle va toucher un héritage, et après, tu as eu le pactole, tu reprends tout,
tu lui donnes le guet, d'accord? Ou plutôt non. Non, dans ce cas-là, c'est que si elle va mourir, bien évidemment. Et donc il va. Non. Donc il va. Je me trompe. Une seconde, parce que j'ai pas fait assez attention à ce détail quand j'ai préparé le cours. Je le trouve pas pour le moment. Mais en tout cas, Ok, en tout cas, il va donc. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Il va continuer maintenant, il va continuer à accumuler. Chaque semaine qu'elle se rebelle, il va lui continuer. Donc il a diminué le 200 d'Aktuba. Après, il continue à lui prendre 7 de plus par semaine. Maintenant, elle lui doit 1500. Son arrière-grand-père, à elle, décède. Elle hérite d'un champ. Il lui dit, écoute, donne-moi les 1500, prends ton gars, dégage, je me mets avec une autre. Ok? Eh, hey, faut bien lui rendre la monnaie aussi, hein? D'accord? Donc, Shemati Polla Yerusha Mimakom Acher, Govei Mena, donc il prendra, si elle reçoit un héritage de par ailleurs, il lui reprendra d'elle. Et maintenant, le contraire, c'est quand c'est lui qui se rebelle avec sa femme, il ne veut plus l'approcher. Mais Chanamored Alishto, de même pour celui qui se rebelle contre sa femme, Mosifin La Al Ktubata, Shlosha Dinarin Meshabbat, on devra lui ajouter sur sa Ktuba, sur ce qu'il s'est engagé à se marier, à lui donner, on lui rajoutera 3 par semaine. Ça fait une semaine que tu traînes. Tu dois 203, 206, 209, 212, et ainsi de suite, on en rajoute par semaine. Jusqu'à ce que la femme, elle dit, bon, j'en ai marre de trop attendre, qui me paye tout ce qu'il me doit, et qui me laisse repartir. Et bien évidemment, après, s'il ne veut plus payer, alors on va le forcer, on va lui faire une saisie des biens, et tout ça, comme c'est dans toute situation, quelqu'un qui a de l'argent, qui ne veut pas payer. Ça, c'est selon Tanakama. Et Rabbi Yehuda Omer, Shalosh Tarpeikin, Rabbi Yehuda, de nouveau, il vient de dire 3 demi, c'est là. Ouais, on ne donne pas 3 par semaine, on donne juste 1,5, 3 fois 1,5. Un tarpéik, c'est un deuxième, c'est un demi du dinar. Du dinar. Et voilà quoi. On lui rajoute donc par semaine 1,5. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Slacha kol tout. Salam.